Salut à tous, c'est Nature41. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mer cette fois-ci. Donc, c'est la première de ma chaîne que je fais en mer car j'habite loin de la mer. Mais là, je suis en vacances. Et donc, j'en profite pour faire du rock fishing. Donc, le rock fishing, c'est juste de la pêche dans les rochers, quoi. Dans tous les petits trous ou sous les berges. Alors, moi, j'utilise soit par exemple un bigorneau ou une moule car la moule, ça dégage beaucoup d'odeur et les poissons sont très réceptifs. Que j'accroche au bout de mon hameçon. Et vous allez voir, j'ai filmé quelques prises en direct. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Donc là, typiquement, il y a une grosse crevasse. Où j'ai repéré un gros gobie que j'ai essayé de prendre. Hop là, allez. Voilà, en direct. Voilà, un très beau gobie. Je vais relâcher. Caillou, c'est typiquement le genre d'endroit où je peux se cacher les poissons de roche, donc ça vaut plus d'essayer. Parce que là, je mets une poissonne à l'intérieur. En plein dans la crevasse. Un truc qui a sauvé mon leurre sous le caillou, mais c'est un gros crabe. Et là, par contre, c'est la galère. Ça lâche pas comme ça. Hop là. Bon, bah là, il est lâché. Voilà le responsable. J'ai décroché une fois, j'essaie de le reprendre. Hop, ah, allez. Hop là. Voilà. Voilà. Je me suis décroché encore. Hop là. Joli gobie. Nouvelle prise, un marbre super gros, magnifique. Ça se voit bien, voilà. Ouais, il est vraiment magnifique. Essayez un peu, je sais pas si là. Hop, voilà, je vais le relâcher. Pour le coup, je l'ai pris en pleine mer, dans les rochers en pleine mer en fishing. Avec un mollusque pareil. Il m'a mis un combat, mais monstrueux. Allez, faut que tu repartes. Franchement, le plus gros combat que j'ai fait avec un poisson de mer, je pense. Pourtant, il n'est pas énorme, mais le combat était énorme. Essayez. Hein. Voilà, faut que tu repartes. Voilà. Une magnifique grasse casse. Par contre, c'est dangereux car ça pique. C'est très très venimeux. Alors, je sais pas trop comment m'y prendre. Voilà, là c'est un pic. Je vais avoir la main en feu. Hop là. Je vais te la remettre. Et voilà, elle repart.